me parlez pas. J'attends le vendeur de chez Midi Auto. Il doit me livrer la voiture, il n'arrive pas. Bonjour. Vous prenez la première à gauche et vous vous garez sur la place. Oui, oui. Monsieur Dauphin, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Bien, voilà votre voiture. Oui, je vois. Vous avez fait un excellent choix. Vous en serez très satisfait. Écoutez, c'est vous qui m'avez bien conseillé. Mais j'ai tout de suite compris que c'était le véhicule de votre vie. Ça, vous ne vous êtes pas trompé. Par contre, vous savez que ce véhicule fait partie des modèles à risque. Qu'est-ce que vous entendez par modèle à risque? Comment vous expliquer? C'est un modèle très convoité. Convoité par les voleurs. Ah d'accord. Comme vous voyez, j'habite dans un quartier tranquille. Donc tous ces problèmes, eh bien, je m'en soucie pas. Effectivement, monsieur Dauphin, vous habitez dans un quartier très tranquille. Et vous avez bien de la chance. Mais vous savez, nul n'est à l'abri. Et puis moi, si je pouvais, toute cette racaille, je te la nettoierais. Dites. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un risque? Un risque? Assurément, monsieur Dauphin. Assurément. Tenez, on m'a volé mon véhicule. Mon premier véhicule neuf. J'en ai été malade. Eh bien, monsieur Dauphin, je crois que le moment est venu de profiter de cette voiture. Je vous apporte les papiers nécessaires. Vous verrez, carte grise, vignette. Ainsi que les clés. Merci. Je vais vous demander un court instant. Je téléphone au garage pour qu'on vienne me chercher. Oui. Ah là là, ne vous inquiétez pas, monsieur Dauphin. Vous avez fait un excellent choix. J'espère. Si vous saviez depuis le temps que j'en rêve de cette voiture, vous ne pouvez pas savoir. Je crois pouvoir le mesurer. Pas sûr, pas sûr. Vous entrez, monsieur Dauphin. Installez-vous. Pardon. Pourrais-je récupérer mon porte-documents? Merci bien. Eh bien, toutes mes félicitations. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne route, mais un bon conseil d'amis. Contractez une bonne assurance multirisque. Ce serait dommage qu'on vous vole votre première voiture neuve. Monsieur Dauphin, je vous dis au revoir et à bientôt. T'inquiète pas, va, je reviens tout de suite. Bonjour, monsieur Dauphin. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, cette voiture est enfin arrivée? Eh oui, ça y est, elle est là. Tenez, voilà les papiers. Eh bien, elle a dû vous coûter cher. Oh, n'en parlez pas, 12 briques je l'ai payé. Vous vous rendez compte? Pour vous dire, je
J'en ai fait des sacrifices pendant 5 ans. Sans parler que maintenant, il va falloir que je me serre la ceinture pour pouvoir payer l'assurance. Et ne parlons pas de l'essence. Il vous faut tout simplement une bonne assurance. Oui, d'accord, mais pas trop cher, parce que... J'ai ce qu'il vous faut. L'assurance AutoZone. Ah bon? Et comment ça marche? Cette formule permet d'adapter votre prime en fonction du quartier où vous habitez. Ah d'accord, c'est une bonne idée. Rappelez-moi votre lieu de résidence. Marseille. Oui, Marseille bien sûr, mais dans quel quartier? Le nord, le centre, le sud? Quartier sud. Ben, c'est parfait, vous êtes dans la zone la moins chère. Bien, tant mieux. Excusez-moi, il y a un petit truc que je ne saisis pas. Pourquoi ces tarifs différents? C'est très simple. Vous devez savoir que presque tous les vols de voitures sont commis par tous ces immigrés qu'on a relégués dans les quartiers nord. Donc, il est normal que ces zones soient les plus chères pour les tarifs d'assurance. Mmh. Bien, pour une fois, on va dire que j'ai de la chance. Oui. Signé ici. Et là, pour le prélèvement automatique. Merci. Donc, voilà votre formulaire. Merci. Je vous envoie vos papiers et je vous accompagne. Mais laissez-moi vous donner un conseil d'ami. La meilleure assurance, c'est un bon fusil. Et si un jour, un bougnoul ou un négro vous pique votre voiture, vous tirez dans le tas. Et comme ça, plus de problèmes.